Prix Landru naît à Paris en 1869. Entre 1914 et 1919, il séduit des femmes, les attire dans une villa louée à la campagne, les découpe et les brûle dans sa cuisinière. En 1919, Landru est arrêté car il a commis une erreur. Lorsqu'il partait en train dans une villa, il achetait toujours deux billets aller et un seul billet retour. Lors de son procès, il provoque, déclarant par exemple, « Si les femmes que j'ai connues ont quelque chose à me reprocher, elles n'ont qu'à déposer plainte. » Il est reconnu coupable de 11 meurtres et guillotiné en 1922.